Je suis Marie-Claire Ferriès, je suis maître de conférences en histoire romaine, je suis membre du laboratoire Lucie, qui rassemble italianistes et historiens, et je copilote l'axe langage et politique. Si je devais résumer en trois mots la rencontre des langages et des politiques, je garderais discours, émotion, espace. Les langages et politiques, c'est un club de 5 personnes, des philosophes, des historiens, des littéraires, qui invitent nos collègues politistes, géographes, urbanistes, afin d'étudier les relations entre les langages verbaux, non-verbaux, et nos façons d'organiser nos sociétés, c'est-à-dire les politiques au sens large du terme. Nous le faisons en tentant de décloisonner entre nos disciplines, parce que nous arrivons tous armés de concepts et de méthodologies en fonction de nos disciplines. Moi, je suis historienne, les uns sont philosophes, les autres sont littéraires. Nous attendons de ce décloisonnement, de cette polyphonie, un renouvellement des idées reçues, une remise en question, un approfondissement également de nos connaissances individuelles. Pour donner un exemple, nous avons rassemblé des spécialistes des places publiques italiennes sur 20 siècles, les forums, puis les foros, et puis nous avons mis en commun nos connaissances et nous nous sommes rendus compte que, bien sûr, en commun, nous avions l'investissement politique de cette place par le pouvoir, par le langage architectural qui s'adresse directement au peuple, qui s'adresse aux électeurs. Mais le problème qui se posait à nous tous, c'était également celui de la dépolitisation de ces mêmes lieux, une fois que les circonstances politiques ont changé, que l'histoire est passée. Comprendre le sous-texte, les références culturelles d'un discours, que ce soit celui du pouvoir ou celui de la contestation, est important. Si on prend l'exemple des printemps arabes, les choix dialectaux faits par les partis en présence montraient comment ils s'identifiaient. Si l'on prend les ronds-points des gilets jaunes, le fait qu'ils soient en dehors de la ville, ça traduisait dans un premier moment de la manifestation leur sentiment d'isolement, de marginalisation, et les péages, l'injustice. Les politiques sont un spectacle total, mêlant mots, mémoire, lieu, environnement. Ils font appel autant à la raison qu'aux émotions. Le comprendre, c'est ne pas subir, mais agir dans les politiques.